Savez-vous que l'eau recouvre plus de 70% de la surface du globe? Malgré cela, les activités quotidiennes de la population ont progressivement pollué les sources, les rendant impropres à la consommation. L'eau est indispensable dans la vie quotidienne pour tout être vivant. Certaines régions n'ont pas accès à l'eau salobre car des sources sont non aménagées, les autres sont en mauvais état et elles nécessitent un aménagement. Cela permettra aux gens de ne pas être attaqués par des maladies liées à l'utilisation des eaux insalubres. Dans cette optique, l'approchement en collaboration avec les autorités mène des activités relatives à la disponibilisation des sources d'eau potable. C'est le cas d'un village de Kanyinya dans notre zone d'intervention à Simbi. Là-bas, il était question d'avoir une source propre. Les gens s'étaient arrangés pour trouver de l'eau en mettant un tuyau dans la terre, là où il avait une source non aménagée. Les autres étaient obligés de faire de longs trajets pour trouver de l'eau potable. Pour résoudre ce problème, l'approchement a appuyé l'aménagement de cette source d'eau. Les fontainiers ont mené une activité de captage de sources avec passage de l'eau dans la manière filtrante pour assurer sa purification jusqu'à ce que la population obtienne de l'eau propre. Les villageois sont satisfaits d'avoir une source aménagée. Ils témoignent les bienfaits de l'utilisation de l'eau potable. Grâce à cette action, il compte un changement positif quant à l'amélioration de l'hygiène et de la santé.